La préparation de cette exposition, avec les documents déjà que nous avions concernant les poilus châtillonnais, ça nous a demandé quand même 2 ans et demi de travail à 12 de personnes. Le sujet étant très 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 vaste, les gens nous ont pratiquement fait des bibles pour pouvoir parler de cette guerre. Il nous a fallu un travail de relecture, un travail de, disons, de sélection, de coupure énorme. Depuis des années, certains châtillonnais nous ont confié des dossiers qui dormaient dans nos cartons d'archives. Et le centenaire nous a permis de les sortir et de les étudier de façon à proposer aux châtillonnais leur propre mémoire. Ce qui fait de cette exposition une particularité intéressante, puisque Châtillon, initialement, était composé à cette époque de carriers, de gens de la terre aux portes de la capitale. Châtillon aussi a été un creuset des arts depuis le XVIIIe siècle et on a parmi les poilus des artistes châtillonnais comme Eugène Véder qui nous a, disons, proposé des dessins tout à fait sur le vif, des instantanés qui sont venus jusqu'à nous par l'intermédiaire de leur petite fille Nicole Tendron et qui nous ont permis de vous présenter ces pièces inédites. Et les religions dans la guerre, aujourd'hui, avec les bouleversements, les guerres de religion, si on peut dire, entre guillemets, j'ai cru bon devoir penser à tous ces soldats qui se raccrochaient à quelque chose, donc à leur religion. Et il n'était pas rare de voir sur le front des abbés, des religieux qui, selon les nationalités, enterraient leurs morts et tout le monde allait à la prière. Les femmes ont eu un grand, grand rôle dans la guerre puisqu'elles ont remplacé les hommes sur le front, bien évidemment, avec les infirmières, mais aussi dans la vie de tous les jours. Par exemple, les gens de la culture, on a vu des femmes au labour, des femmes dans les usines, elles étaient appelées d'ailleurs les munitionnettes. Elles se sont pliées à tout le travail des hommes. Et
Évidemment que l'habillement a aussi subi des transformations, comme par exemple, on apprend que le soutien-gorge a été inventé pendant la guerre de 14. Il faut savoir qu'on sortait de l'ancien monde avec les femmes vraiment guindées, serrées dans leur costume, et que c'était inadapté pour aller travailler ou dans les champs ou en usine. Voilà, c'est pourquoi il y a eu beaucoup de transformations dans l'habillement. On s'est coupé les cheveux, on a raccourci les robes, plein de choses qui ont permis de rentrer de plein pied dans le nouveau monde. Les gaz de combat ont lancé des gaz sur le terrain et les gens étaient obligés de se protéger et porter des masques comme celui-ci. Je pense que le devoir de mémoire a un rôle important dans la vie d'aujourd'hui, et nous le faisons, nous particulièrement, parce que notre mission, les Amis du Vieux Châtillon, c'est avant tout être des passeurs de mémoire. Et là, on s'aperçoit que les jeunes ont une vision des choses qu'il faut vraiment leur expliquer. Je m'entends. Aujourd'hui, il est très difficile, devant, par exemple, comme je me suis trouvée la semaine dernière, devant une petite fille, une petite Allemande, qui me dit « Vous vous battiez contre qui ?» Évidemment, c'était les Allemands, nos ennemis. Donc, il faut aussi, en passeur de mémoire, donner notre avis sur le conflit, en ce sens qu'il ne faut plus que ça se reproduise. Et je dis aux jeunes, vous êtes, vous, aujourd'hui, nos passeurs de mémoire. Vous êtes les personnes à qui on peut confier nos secrets, de façon à ce que, plus jamais on ne revoit une chose pareille. Donc on a un rôle à jouer effectivement dans cette transmission du savoir. Et quant à la population, elle est très intéressée. Quelquefois il y a des gens qui hésitent de rentrer pour voir cette exposition, mais à la fois on a surpris des gens avec la larme à l'œil, parce que il n'existe pratiquement pas de foyer français où il y a eu un décès dans ces circonstances épouvantables qu'était la guerre de 14, cette guerre particulière des tranchées qui a fait quand même de très 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 nombreux morts dans les familles, puisque quelquefois trois générations étaient à la fois sur le terrain. Pardon, messieurs, dames, d'avoir un regard confus. C'est que j'ai perdu, à quel drame, la chose à quoi je tenais le plus. C'est pas un collier, non, mon ange, ni tes bijoux, ni ma vertu. Car là encore, il y en a dans le change. C'est Titine dont j'ai tel geste, Titine qui était tout mon trésor. Où c'est qui m'a Titine, oh non. Je cherche après Titine, Titine, oh Titine. Je cherche après Titine et ne la trouve pas. Je cherche après Titine, Titine, ah Titine. Je cherche après Titine.